Nous sommes aujourd'hui dans le sud du département de l'Indre, sur la grande ligne ferroviaire nord-sud qui va de Paris à Toulouse, via les Aubrais Orléans et Vierzon. Elle est ici électrifiée et à double voie en circulation principale. C'est un grand axe ferroviaire où, sur certaines sections, les trains peuvent atteindre la vitesse maximale autorisée de 160 km à l'heure. Il n'y a pas encore de liaison radio-sol-train à bord de toutes les locomotives, car c'est encore, à cette époque du moins, une innovation toute récente. Le passage de la gare d'Argenteau sur Creuse s'effectue généralement à la vitesse de 130 km à l'heure. Il n'y a pas ici de difficultés particulières, aucun trafic régional de nuit non plus, et les quais voyageurs sont déserts. La gare est d'ailleurs fermée au public et ne rouvrira qu'aux premières lueurs de l'aube pour le trafic régional. Une troisième voie enfin, dite usuellement voie de service et qui se raccorde plus loin aux deux voies principales, est séparée des deux autres par un quai voyageur central. Le profil de la ligne est plat ici, dans le sud de l'Indre, et nous sommes dans une longue ligne droite, après une large courbe à droite, en amont de la gare et de ses installations. C'est la nuit du vendredi 30 août au samedi 31 août 1985, et c'est le dernier grand retour de vacances d'été qui déjà se termine. Il est minuit passé de quelques minutes seulement. Il fait doux dehors, car hier, vendredi, la journée a, une fois encore, été très chaude. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La tragédie de l'accident de train Argenton-sur-Creuse. Vous avez pu remarquer en cet été qu'il y a très peu de vidéos. Je suis vraiment désolée, mais j'ai beaucoup de travail. Nous reprendrons les vidéos habituelles à partir du 20 août. Il y aura trois grosses affaires de disparition, ainsi qu'une très grosse vidéo de trail. Pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous. Pour les autres, courage à vous si vous travaillez. À quelques encablures à peine de la gare d'Argenton-sur-Creuse, une petite commune de moins de 5000 habitants, située dans l'Indre donc, le train corail de nuit Paris-Toulouse-Portbou, assurant, comme toutes les nuits d'été, la circulation numéro 1115 s'apprête à franchir une zone de travaux de voies située à la sortie de la gare d'Argenton-sur-Creuse, en direction du sud. C'est un train de nuit classé en catégorie rapide, avec très peu d'arrêts à respecter avant d'arriver à Toulouse, en Haute-Garonne. À Toulouse, si une partie des voitures restera à quai, la tête de la rame se dirigera ensuite, une fois désaccouplée, vers Portbou, dans les Pyrénées orientales, via les gares de Carcassonne, Narbonne et Perpignan, pour atteindre les rivages de la Méditerranée, où l'arrivée est prévue en cours de matinée. Là, sur cette voie 1, la vitesse de tous les convois ferroviaires est limitée à 30 km à l'heure. La signalisation est bien en place. Le ralentissement à observer figure bien sur la fiche de conduite du conducteur. Et ce conducteur est un habitué de la ligne. Il passe régulièrement ici. N'oublions pas de saluer le responsable de la gare, sorti de son bâtiment de service, installé au droit du point kilomètre, les cheminots et autres usagers disent PK 295 055, en allumant la cabine de conduite de sa locomotive, la puissante BB 7248, parfaitement adaptée à la traction de ce genre de convoi sur une longue distance. Mais, pour une raison qui restera à déterminer très vite après, le conducteur ne voit rien, ne fait pas ralentir son train et reste sur une vitesse de 100 km à l'heure, comme en témoigneront les enregistreurs de vitesse de la motrice électrique.
C'est beaucoup trop dans cette zone fragilisée par les travaux et lors du passage sur un appareil de voie. Le train déraille. Le conducteur déclenche aussitôt le signal d'alerte lumineux et enclenche le freinage d'urgence de la rame. Freinage d'urgence qui se met immédiatement en route. Le long convoi, qui fait près de 300 mètres de long, trésote en perdant rapidement de la vitesse, mais 10 des 14 voitures du long convoi, dont 6 sont des voitures couchettes, sortent des voies avec leurs bogies et deux d'entre elles, les numéros 17 et 18 du dernier tiers de la rame, tanguent et finissent par se coucher sur les voies, engageant largement le gabarit de l'autre voie. Un important nuage de poussière et de débris divers se forme immédiatement. Il est alors 0h08 très précisément. Notons que c'est la troisième catastrophe ferroviaire qui se produit alors en France, en moins de 2 mois. La dernière en date remonte au 3 août dernier, dont moins d'un mois avant, et avait déjà coûté la vie à 35 personnes à Flaujac dans le Lot. Presque au même moment, un train postal, parti tard dans la soirée de la gare de Brive-la-Gaillarde et assurant la circulation numéro 4438, circule sur la voie 2. Il est composé exclusivement de voitures dites « allèges postales », dans lesquelles travaillent, souvent debout ou alors assis à des pupitres, une quinzaine de roulants de la poste, qui doit remonter sur la capitale, se présente sur les lieux sur l'autre voie. Lui n'a pas de limitation de vitesse à respecter. Il est à 100 km à l'heure. Le conducteur est ébloui par l'épaisse fumée, actionne sans délai le freinage d'urgence, mais il sait qu'il est beaucoup trop près pour espérer s'arrêter à temps. Le choc est fatal. La locomotive du convoi postal percute de plein fouet les deux voitures couchées devant elle sur la voie. La voiture 17, la première qui est couchée sur la voie, est littéralement compactée et ses éléments intérieurs, cloisons, sièges, toilettes, fenêtres, sont toutes propulsées vers la voiture 18 qui plie comme un accordéon. Moins d'une minute plus tard, l'alerte est donnée en gare d'Argenton-sur-Creuse, où les agents de nuit qui ont vu passer le train 2 secondes auparavant et un voisin des lieux, noctambule, ont tous distinctement entendu puis vu le drame. Ils donnent l'alerte en prévenant sans délai les sapeurs-pompiers locaux et la gendarmerie. Ils prennent le soin, car ce sont des professionnels, de bien préciser d'entrée le caractère particulièrement dramatique de l'accident qui vient d'avoir lieu. On peut les croire sur parole. Et à minuit et 14 minutes, les premiers fourgons des sapeurs-pompiers et la première patrouille de gendarmerie arrivent sur les lieux. Comme lors d'autres catastrophes qui ont eu lieu partout en France, le commandant des opérations de secours des sapeurs-pompiers du département, accouru de Châteauroux à 28 km de là, et le directeur médical du SAMU de l'Indre, déclenchent leurs plans de secours respectifs. Le plan hors sec, qui demande au préfet de l'Indre à Châteauroux de déclencher rapidement, ce qui sera fait à 0h30, le plan rouge pour les sapeurs-pompiers et le plan blanc pour les équipes médicales et les hôpitaux. Des renforts sont sollicités dans l'ensemble du département et dans les départements limitrophes, comme la Vienne, la Haute-Vienne, le Loiret, la Creuse, l'Allier et le Cher, mais aussi l'Indre-et-Loire et le Loiret-Cher. Car, rappelons-le, nous sommes dans le sud du département de l'Indre. Les secours s'organisent. Au plus fort du dispositif, vers 1h du matin, il y a 250 sapeurs-pompiers, une centaine de médecins et d'infirmiers, de brancardiers et de secouristes, ainsi que près de 55 gendarmes réunis sur place. Les ambulances, mais aussi les fourgons de désincarcération, les fourgons lourds spécialisés en matériel les plus divers, arrivent et se rangent sur un parking improvisé, mais dans un balai parfaitement synchronisé et très bien organisé. Les gendarmes également se mettent à l'ouvrage. Ils sont très vite renforcés de patrouilles venues des unités de gendarmerie de tout le département de l'Indre dans un premier temps, puis les départements limitrophes.
Il faut démarrer sans tarder l'enquête judiciaire, assurer la sécurité des lieux, procéder aux constatations techniques, faire escorter les ambulances vers les centres hospitaliers, accueillir mais tenir à distance aussi les badauds journalistes, curieux et peut-être premiers proches informés du drame. Le procureur de la République de Châteauroux se rend immédiatement sur place, en compagnie du préfet du département de l'Indre, qui, dès l'information reçue, coordonnera de par sa fonction l'ensemble du dispositif de secours. Le ministre des Transports, Jean Hourault, a prévu de se rendre sur place lui aussi, dans la matinée du samedi 31 août. Les responsables de la SNCF auront la lourde et terrible tâche, outre tous les 1000 problèmes techniques auxquels ils sont confrontés, de tenir informés les gares situées tant en amont qu'en aval des lieux de la catastrophe, là où des voyageurs sont montés à bord du train et là, plus loin, plus bas, où ces mêmes voyageurs seront peut-être attendus dans quelques heures à peine. Le trafic est totalement interrompu sur la ligne, dès au-delà de Vierzon, en descendant et depuis Brive en remontant. Les trains prévus seront très progressivement déroutés via Bordeaux ou Clermont-Ferrand, avec des retards conséquents. Quant au trafic régional, certes plus faible et moins volumineux, surtout un samedi d'août, il est transféré autant que faire se peut par car de substitution. Les lieux exacts de la catastrophe sont difficiles d'accès, car, à cet endroit-là, la double voie surplombe de 6 à 7 mètres les lieux avoisinants. Il fait nuit noire de surcroît. Un escalier et un petit sentier permettent de franchir ce dénivelé, mais c'est une réelle difficulté à prendre en compte pour les secours. Une petite route en contrebas servira de base d'évacuation primaire. Les secouristes déploient des efforts surhumains pour arracher des victimes à la mort, souvent à la main avec peu d'outillage ou des outils transportables dans cet enchevêtrement de tôles et de ferrailles. Dans chacun des wagons, rappelons qu'il y en a 14 dans le train de voyageurs. Les secouristes font du bruit, tapent, cognent, scient, découpent. Leur travail sera salué à la hauteur de ce qu'ils font. Les lieux sont éclairés par de puissants projecteurs dressés par les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers. La gare est devenue un poste de commandement de crise qui sera vite transféré, en matinée, à la mairie de la petite ville d'Argenton-sur-Creuse. À 2h du matin, le commandant des opérations de secours tente de dresser un premier bilan. Il sait, hélas, que ce bilan ne sera que partiel et qu'il va devoir le réévaluer plus tard en matinée avec une fatale hausse du nombre de victimes. Ce bilan est déjà de 20 personnes décédées, toutes sorties des amas de ferraille et de près de 100 personnes blessées, dont plus de la moitié sont très gravement atteintes. À 7h du matin, le dernier blessé a enfin été désincarcéré et en voie d'évacuation. La rame Corail, dans laquelle se trouvaient très exactement 497 voyageurs, est inspectée au mieux des possibilités du moment. Mais on pense qu'il n'y a plus personne à bord. Les voyageurs impliqués, mais non blessés ou blessés superficiellement, seulement, ont tous été regroupés, comptés, interrogés, rassurés aussi. Mais on a bon espoir d'avoir le compte juste, c'est toujours ça. Et quand, au petit jour naissant, on dresse enfin le bilan du drame, il est terrible. 43 personnes ont trouvé la mort et une soixantaine sont blessées, dont 20 le sont gravement. La quasi-totalité d'entre elles se trouvait dans les deux voitures, celles numérotées 17 et 18, couchées sur les voies. Le procès qui va s'ouvrir, 3 ans après le drame, en juillet 1988, devant le tribunal correctionnel de Châteauroux, préfecture de l'Indre, accablera deux acteurs majeurs fautifs, qu'elle rendra très largement responsable de ce dramatique accident et de ses conséquences terribles, à savoir, premier point. Tout d'abord, le conducteur du train de voyageurs sera condamné, le 20 juillet 1988, pour homicide et blessures involontaires et condamné à 1 an de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende.
Notons que le parquet, dans ses réquisitions, avait requis 2 ans de prison. Il lui est notamment reproché de n'avoir pas pris connaissance avant le départ de la fiche du dossier de conduite de ce train, lui rappelant le parcours et ses spécificités d'avoir ensuite négligé ou en tout cas regardé et étudié de façon incomplète la fiche relative à la limitation temporaire de vitesse dans la zone de travaux de l'Indre et celle enfin d'avoir maintenu sa vitesse de circulation dans ladite zone de circulation de ce train, une fois qu'il l'avait abordé. Deuxième point. Ensuite, l'entreprise SNCF, employeur de ce conducteur de train, voit également sa responsabilité engagée dès les attendus de la condamnation de son employé prononcée. Les parties civiles n'en attendaient pas moins. On lui reproche notamment une superposition de panneaux de signalisation et d'indications de sécurité, peu propice à une saine et rapide compréhension, même pour un conducteur chevronné. Les juges insistent sur une incohérence objective entre les multiples panneaux d'information différents selon la vitesse autorisée des circulations et les panneaux d'exécution placés plus loin pour application pour les conducteurs de ces mêmes trains. Les mots ici dans le rendu d'un jugement sont lourds de sens. Il lui est également imputé de ne pas avoir dégagé suffisamment de temps pour préparer la prise de service du conducteur, qui s'est effectivement effectué au pas de course, avant le départ de la gare de Paris-Austerlitz. On accorde généralement 5 minutes au conducteur, ce qui apparaît au vu des circonstances dramatiques qui ont présidé au drame, notoirement insuffisant et doit être pris en compte. Le climat particulièrement délétère de cette fin d'été 1988 en France. Pour l'entreprise SNCF, mauvais climat dû à la succession en très peu de temps de 3 accidents graves et invraisemblables dont il apparaît déjà en quelques semaines d'analyse et d'expertise, bien avant un quelconque procès, qu'ils auraient peut-être pu être évités, coûtera la place à son président de l'époque, André Chadeau. Il sera remplacé séance tenante par le directeur de la RATP, Philippe Hézig. Il échoit à ce dernier la très délicate et particulièrement difficile mission de retrouver la confiance des voyageurs et surtout d'améliorer de façon drastique la sécurité des circulations au sein d'une entreprise tentaculaire. N'oublions pas toutes ces personnes qui ont péri dans ce drame qui aurait pu être évité. C'est la fin de cette tragique affaire. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.